Hello, hello, mes petites cerisettes. Bonne année. Voilà, donc je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2017. J'espère qu'elle sera belle pour vous, que tout ce que vous voulez entreprendre fonctionnera, de l'amour, de la joie, du bonheur, tout, du bio, de la beauté, enfin voilà, tout. Je vous retrouve pour un petit unboxing. Alors je viens juste d'arriver, c'est pour ça que je suis un petit peu rouge, il fait froid dehors. J'ai juste fait tomber la veste et j'ai ouvert mon colis pour voir si tout était là. Donc voilà, c'est un petit haul de la marque, enfin du site Beauté Privée encore, oui je sais. Mais j'en ai profité parce qu'ils offraient les frais de port à partir de seulement 19€. Donc c'était une joie pour moi et je déteste payer les frais de port. Donc j'ai reçu mon petit carton qui était seulement emballé avec des liens de serrage. Donc c'était... voilà, il y avait juste des liens serrage de chaque côté, ce que je trouve un peu moyen, mais bon, rien n'a été pris, donc voilà, je suis contente de ça. Il n'y a pas grand chose, parce que j'avais déjà fait une belle commande il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas pris grand chose, mais je voulais tester certaines marques. Il restait des produits, donc je me suis dit, ben voilà, les frais de port sont offerts à partir de 19€, on en profite. Donc j'ai commandé, bon, on va commencer par le pas bio, parce que oui, j'ai fauté, j'ai acheté du pas bio, mais c'est quand même du naturel. Donc c'est de la marque BeFine, voilà, BeFine Fragrance Mist Body Spray, donc c'est une brume pour le corps, voilà. Et donc c'est une odeur à base de black cherry. Fallait que je le prenne quoi, des cerises noires, c'est pas possible autrement, fallait que je le prenne. Des cerises noires, une crème anglaise et du santal. Et il sent... Bon, alors là ça sent surtout l'alcool, qu'on vient juste de le mettre. Ça sent très sucré. Mais bon, vous savez, vous me connaissez maintenant, j'adore les odeurs sucrées. Donc voilà, ah bah c'est écrit en français parce que c'est un produit made in USA, donc ça vient des États-Unis. J'ai cherché sur internet, impossible d'en trouver à part sur Beauté Privée en France. Ou alors faut commander là-bas, mais je pense que les frais de douane et les frais de port doivent être horribles. Donc voilà, donc c'est une brume rafraîchissante et hydratante pour le corps, enrichie de plantes nourrissantes pour la peau. C'est la voie tropicale vers une peau douce et palpable, ça ne veut rien dire. Revivez ce moment avec cette brume parfumée pour le corps. Utilisation, vaporisez largement votre brume rafraîchissante sur tout le corps pour laisser la peau parfumée avec notre parfum hydratant original, fruité et floral qui évoque l'ivresse des essences florales. Alors, je ne retrouve pas l'odeur de la cerise, vraiment, mais je trouve qu'on ressent, on sent bien l'odeur de la vanille d'une crème anglaise. Ouais, c'est ce que moi je ressens. Maintenant, voilà. Donc, c'est 270 ml et j'ai payé 5,50€. Et je les ai trouvés sur le site donc, de la marque officielle à 10$. Donc, je ne sais plus la conversion dollar-euro, mais je crois que c'est 1€, 1,5. Non, 1$, 1,5€. Ben, je sais plus, mais je pense que ça doit faire soit entre 10€ et 15€, je pense. Voilà, donc c'est quasiment moitié prix. C'est une marque naturelle qui est normalement voilà, elle n'est pas testée sur animaux. Et elle est... je crois qu'elle est sans parabènes, mais je suis plus sûre maintenant. Mais il y a pas mal d'ingrédients naturels dedans. Voilà, le packaging. Alors c'est joli, je sais pas si vous voyez, il y a des petites fleurs. Voilà. Ensuite, j'ai commandé de la marque Santifolia Bio par Nature, un gel douche ondée gourmande à l'abricot vanille. Sans sulfate, made in France, 100% d'origine d'ingrédients naturels. Voilà, 250 ml. 14% des ingrédients sont d'origine biologique. Donc, base lavande douce, sans sulfate, pH neutre pour la peau.
Et donc c'est à l'abricot vanillé. Je vais pas l'ouvrir pour le sentir parce que j'ai encore... Enfin quoique non, tiens, on va faire la gourmande. J'ai déjà le douche, mais... Ça va, il se tient 12 mois ouvert, donc c'est bon. Ça sent plutôt l'orange, moi, que l'abricot vanillé. Bref, les goûts et les couleurs. Hein. Et donc, je l'ai payé 3,40 et je l'ai trouvé ailleurs sur internet à 6,80, donc ça fait moitié prix. Mais, donc, c'est transparent, c'est assez neutre, hein. Il n'y a pas de. C'est légèrement orangé, mais. Puis, c'est un gel, quoi. Ah. Ça sent bon, en tout cas. Hein. Moi, j'aime bien l'odeur. Mais je reconnais pas l'abricot. Je trouve que ça sent plutôt la mandarine ou l'orange, mais pas l'abricot. Mais c'est pas grave, c'est une odeur aussi que j'aime. Et le dernier produit, j'en ai pas commandé plus, mais c'était un petit coffret. C'est le coffret. Comment il s'appelle ce coffret? Bon, je sais même pas comment il s'appelle. C'est un coffret en trois produits. Ouais. C'est de la marque Pulpe de Bille. Donc c'est fait en Provence, si je comprends bien. Marque de soins, bonne humeur, engagée, 100% made in France. Des formules naturelles à base d'actifs brevetés et de fruits frais. 100% bio. Voilà, donc c'est dans les Alpes de Haute-Provence, les concombres et le pamplemousse et les courses. Ben voilà, tout est local. Et donc c'est un coffret 3 ans, enfin en 3 parties. Je cherche juste un signe. Je l'ai payé 15,50€ et je l'ai trouvé sur un autre site le double, 29,95€. Donc, cool. Donc, il se présente comme ça. Donc là, il y a un gommage pour le corps. C'est à la cassis, tomate et noyau d'abricot. Là, c'est écrit en rose sur rose, je vois pas grand chose. 15% d'origine biologique. Hein. Et donc, ce gommage tout seul, il coûte déjà 10,50€ sur d'autres sites. Ensuite, il y a masque gommage pour le visage. Voilà. Donc, toujours 100% français, zéro conservateur. Et les ingrédients, là, c'est 77% d'origine biologique. Waouh! Sans PEG, sans silicone, sans parabène. Et c'est cruelty free. Non, je sais pas, cruelty. Si, cruelty. Putain, c'est écrit tellement petit, désolé, j'ai dit un mot. Cruelty free, donc c'est pas testé sur animaux. Donc ça, c'est super. Made in Provence. Donc là, c'est à base de pamplemousse, de concombre et de miel. Appliquez-moi sur peau sèche, laissez agir 5 minutes, puis massez doucement, facile à rincer, je me transforme miraculeusement en lait au contact de l'eau. Donc un duo frappé, masque et gommage, réparateur et vitaminé pour le visage aux zestes de pamplemousse rose. Mmh. Et il y a de la glycérine. Donc celui-ci, il coûte 14,90€ sur des sites. Donc rien que celui-là, c'était le prix des autres. Vous imaginez. Et le petit dernier, c'est une crème pour les papates. Donc celle-ci, elle s'appelle Bas les pattes. Crème main et ongles. Il y a 40 ml. Par contre, ça c'est un petit contenant. Ouais. Crème main et ongles hydratante et apaisante pour chouchouter vos doigts de fée. Alors, il y a du miel, du melon, du calendula et de la réglisse. Des oligo-éléments, je m'occupe de protéger, hydrater tout en onctuosité. Et là, c'est 15% des ingrédients d'origine biologique. Donc, toujours made in Provence, made in France. Voilà la petite boîte. Et celui-ci, je l'ai trouvé à 5,90€ sur le site. Donc, au total, oui, en
prenant chaque ingrédient séparément, ça coûte 30 euros le coufret. Moi j'ai tout eu pour 15,50 euros, je suis trop contente. Non, j'ai pas ouvert la boîte pour vous montrer plus près le gommage. Alors le packaging est génial, les couleurs, il y a des petites abeilles, voilà. Et là c'est pareil, sucré frappé, et il est comme ça. Je sais pas si vous verrez grand chose, voilà. Donc bah voilà, mon petit haul est terminé. C'était un petit haul rapide, parce qu'il n'y avait pas grand chose, mais c'était intéressant parce que c'était pas très cher pour tout ce que j'ai payé. Je crois que j'ai payé 24 euros au total. Et j'ai 5 produits pour 24 euros. Je suis contente. Voilà. Et surtout, il y a une crème pour les mains, parce que ça, je les mange, moi, les crèmes pour les mains. Tellement j'ai les mains sèches, je m'en fous tout le temps. Donc voilà pourquoi aussi j'ai pris le coffret là. Bon, ben voilà. J'ai terminé ma petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous pour me dire si vous connaissez certaines marques, si elles vous ont plu ou pas. À me mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. À me suivre sur Facebook et je vous dis à une prochaine.